السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله سوف نقترح عليكم موضوع أو سوجي خاص لتلاميذ السنة الأولى متوسط. قبل ما نبدأ وما تنساوش الاشتراك لدعم القناة وتفعيل الجرس. لنبدأ على بركة الله. كاسكو سي و كاسكو لو تيليفون بورتابل، ما هو الهاتف النقال؟ Le téléphone portable est un appareil de communication conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance. Donc, le هاتف النقال هو جهاز الاتصال مصمم خصيصا لنقل الصوت البشري والسماح عن المحادثات عن بعد. Donc, conçu, c'est مصمم, c'est façonné. Verbe concevoir. Le téléphone portable, c'est-à-dire sans fil, comprend plusieurs options telles que l'appareil photo, la caméra, le lecteur MP3 et les jeux. Donc, le هاتف النقال يعني اللاسلكي له عدة خيارات مثل l'appareil photo, etc. Avec toutes ces fonctions et bien d'autres, بكل هذه الوظائف, ce bijou de technologie ressemble à un ordinateur en miniature. Donc, الهاتف يشبه كثير l'ordinateur. On peut joindre une personne où qu'elle soit en fraction de seconde. Donc, نستطيع الالتحاق بأي شخص في ثانية واحدة. Informer et être informé de tout ce qui se passe dans le monde, rester joignable et en contact avec tout le monde. Donc, نكونوا على علم وعلى اتصال بجميع العالم. De nos jours, le téléphone mobile a révolutionné le monde moderne. Il est nécessaire d'en posséder un. Donc, il est yomina hada, téléphone portable, d'être taura fil alam al-hader. Donc, daruri ikun adna un. Wahed. Premièrement, compréhension de l'écrit. Dans ce texte, on parle d'une activité physique, d'une avancée technologique. هذا النص نتكلم عن نشاط رياضي أو التطور العلمي التكنولوجي. دونك هنايا انكوش ici التطور une avancée technologique. ثانيا l'auteur dans ce texte raconte, décrit ou explique. الكاتب في النص يحكي يوصف أو يفسر. هنا يفسر. D'ailleurs, quand il explique le titre, déjà, il donne une question. Qu'est-ce que les téléphones portables? On a fait les textes explicatifs, toujours une question et des réponses. Deuxièmement, répond par vrai ou faux. Ajib bisahih ou naam. Le portable remplace l'ordinateur. Vrai. Il remplace l'ordinateur ou il ressemble à un ordinateur. Le portable n'a pas révolutionné le monde moderne. Faux. Le texte, le téléphone, au contraire, le téléphone mobile a révolutionné le monde moderne. Le téléphone portable a plusieurs options. Sahih. Donc, le هاتف النقال له عدة خيارات. شفناها في النص. Le téléphone portable comprend plusieurs options. Donc, il demande عدة خيارات. صحيح. La dernière, le portable nous permet de se connecter à l'internet. يسمح le portable الهاتف يسمح لنا الاتصال للانترنت. Vrai. Relève du texte. Une reformulation. Donc, شوفنا دروس سابقة. La reformulation c'est-à-dire, ou autrement dit, na atawna, c'est-à-dire. Le téléphone portable, c'est-à-dire sans fil. Donc, John Iktbouha, le téléphone portable, c'est-à-dire sans fil. Il hatif naqal, yani la si ki. B. Une énumération. Une énumération, je fais un blé. Soit, winkain d'abord, ensuite, puis, soit, c'est des actions qui s'enchaînent. Peuvent être reliés par des mots de liaison. Donc, winkayin, premièrement, deuxièmement, troisièmement, nafnos,
عليك تيل كو لاباري فوتو بروميرمون دوزيامون لا كاميرا لو ليكتور ام بي 3 اي ديرنييرمون لي جو كاتريامون indique la nature grammaticale de l'expression soulignée, puis remplace par ce que par un autre mot ou expression qui veut dire la même chose. Donc, indique la nature grammaticale de l'expression, et on remplace parce que par car. Le téléphone portable est utile parce qu'il nous aide à communiquer. Donc, le téléphone portable est utile car il nous aide à communiquer. Donc, Heilig. Donc, Hna, le téléphone portable est utile parce qu'il nous aide à communiquer. Hamstrona la, parce qu'il nous aide à communiquer. Donc, c'est une proposition subordonnée. La nature grammaticale d'Yelha. Le téléphone portable est utile, donc on la remplace par car il nous aide à communiquer. Cinquièmement, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Martin Cooper inventé le téléphone portable en 1973. Donc, Martin Cooper, ikhtara'a l'hatif naqal, a inventé. Donc, le passé composé est inventé, c'est a inventé le téléphone portable en 1973. Le téléphone changé notre mode de vie. Donc, l'hatif bdelna. Hayat Diana a changé. Le verbe changer au passé composé, c'est a changé. Écrit au pluriel. Le téléphone mobile est inventé pour communiquer. Le téléphone, il voulait les, zidoulo s, téléphone, zidoulo s, les téléphones mobiles, zidoulo e, il voulait es, est inventé, naya. Puisqu'il est conjugué à des, c'est comme si il au singulier, troisième personne du singulier, donc tous les sont au pluriel, les téléphones, tous les il au pluriel, inventé, puis c'est l'auxiliaire être, donc on a toujours en délo l'accord avec le sujet, donc avec l'auxiliaire être, toujours écoute l'accord. Donc, et puisque les téléphones zidoulou s, un téléphone d'extinct singulier et où les pluriels singuliers zidoulou s pour communiquer tuqad hakek. Pour la production écrite, Hna complète le texte par les mots akmel an-nass bil kalimat message risala bienfait fawaid wijabiyat social ijtimai animé mutaharrik communication c'est l'ittisal écouter Sma internet, c'est l'internet. L'internet toujours est un puissant outil de communication. C'est une immense toile d'araignée mondiale. Mais quels sont ses bienfaits? Donc l'internet wa quwa ittisal, c'est une immense. Donc hiya shabaka kabira imlaqa fil internet. Mais quels sont ces bienfaits? Mais il y a l'internet, autrement dit, le réseau social, internet, ou shabakal ijtimaïa, permet de faire de nombreuses choses. Donc, tismah lana, l'qiyam bi'addat ashiya. Envoyer des messages, il s'est adressé à elle, privé, l'khassa, consulter des informations diverses, et شخيص المعلومات متنوعة écouter la musique سماع الموسيقى voir des films مشاهدة les films et des dessins animés والرسوم المتحركة وفي الأخير نقول لكم si tu as aimé cette vidéo fais-le savoir par le biais d'un petit j'aime je vous dis au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo Inch'Allah.